Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. On est en 5e section Maracouaf et localité débat. Espace ça, c'est l'église christianiste de débat. Et puis là, c'est l'école christianiste, l'école institution qui était là et qui était endommagée par rapport à tremblement de terre là. Et côté elle était penchée, elle pas tombé net. Poteau coupé et puis elle était sous poteau qui était risqué d'écraser tous les détails. Bon, établissement scolaire qui a 3 étages. Nous avons tous plusieurs bureaux là-dedans. On peut recevoir 6 centimes. Pour quelques secondes, minutes, est tombé. Nous ne sentons pas bien, jusqu'à ce que nous sommes traumatisés. Nous ne pouvons pas digérer sa crise. Mais comme il est déjà, nous n'avons pas le choix. Nous avons accepté. Pour nous, c'était une grâce parce que Bill Diglan s'attirait à un danger. Dès nous, elle était danger, nous avons même commencé avec masse. Mais nous ne pouvons pas arriver. Nous ne pouvons pas arriver. Appareil était venu là, c'est une délivrance qui était faite pour nous. Dans quelques temps, il a mis la tête, nous dit organisation merci, qui te permet que tu es capable de jouer des conseils avec Marissa Rafil. Il était mené là à venir travailler pour nous et il fait bon travail. En attendant de restaurer l'école là, mais qu'on n'y a pas gagné du tout. Donc c'est difficile pour nous, mais quand même, il faut nous avoir un moyen pour nous faire un abri provisoire pour essayer de nous. T'as perdu l'année. Bon, moi profiter de présence nous pour moi demander aux autorités du ministère de l'Éducation nationale, garder tout ça a été fait pour nous tout ici à Jean Donnet. Parce que tout le monde sait nous gagnons maintenant, nous pas de côté pour Kembe, nous pas de l'autre côté de Kembe. Donc les zones sont un petit peu éloignées de Vieux-Bourg. Donc il faut nous avoir un moyen quand même pour nous réaliser au moins. Un abri provisoire pour nous recevoir Timon nous en attendant nous construire. Ça va rapidement, parce que vraiment, soit des gains, on perd d'huile. Et on va voir qui on va récupérer, parce que vous comprenez, mon Dieu, la vie est plus importante, nous avons vie, comprendre, mais c'est quand même, nous avons besoin de côté pour nous loger. Nous avons des gens qui victimes, elle ne va pas mourir, elle est cassée, un Timon de 3 ans. Nous disons merci, premièrement, nous disons bon Dieu merci, après nous disons merci pour aider, parce que vraiment, sans nous, nous ne pouvons pas faire rien, nous ne pouvons pas déblayer pour nous comprendre. Nous ne pouvons pas qui ça encore faire pour nous encore, comprendre. Bon Dieu, quand on est bon Dieu, à dire, mais ça va faire pour nous, parce que nous avons besoin de côté vraiment pour nous capables de loger, comprendre. Il y a pas ce qu'on a. A gente pas carré dehors, comme ça. Avec présence OSCC qui est dans le quartier Vieux-Bourg, qui fait partie de la deuxième section Bellevue, qui est dans la commune Aquin. Et c'est un plaisir pour nous accueillir nous dans le quartier, dans le cadre d'activité déblayement que nous avons fait, qui gagne environ 8 jours. Depuis, nous gagnons direction Travaux Publics Sud, représentée par Madame Teresa. Ingénieur Teresa qui voyait l'équipe ça vient accompagner nous pour aider la population déblayer espace ça au côté gain un paquet de cailles qui était tombé et nous connaissons qui en situation représentée les gens de catastrophe ça fin passé et puis mon yo gain cailles ça qui était construit et puis tombé qu'il y a un l'autre cop bouyal payer pour venir faire déblayement et dans sens ça nous te fait demande bon côté directrice départementale travaux publics là que l'ivo et matériel ça au ban nous pendant 8 jours nous gagne travail ça nous a fait dans section et même dans on parti dans 5e section côté que hier nous te gagne l'église christianiste débat qui gagne l'école là dedans qui était endommagé nous rivé déblayer et puis lever tout déblayer pour nous baisser pas ça pour capable construire abri pour timon yo jodi à là nous dans quartier vieux pour nous gagne pendant 8 jours nous gagne 5 espaces nous gagne déblayer nous gagne l'école qui dans l'église baptiste Jean Dodin côté nous sorti là qui te gagne détail sous lui nous déblayer écraser déblayer ensuite nous gagne 3 autres maisons privées que nous gagne pour là dans yo là nous écraser puis ça fait 5e 6e maison que nous attaquer qui te gagne un détail sous lui qui tombé côté te gagne plusieurs 3 timon en balle nous river sauver timon ça yo mais gagne là dans yo j'en nous sont tenter madame Nadia puis elle écraser son timon qui gagne environ là déjà comme ça 3 ans voilà 3 ans mais pour le moment gagne en pile caille qui écraser en dans section. Deuxième section dans le recensement que nous faisons dans la section après passage tremblement de terre là, quantité de cailles nous gagnons qui crasent, l'évaluer à un affaire de 613 cailles.
nous avons 613 cailles qui crasent des tuinettes. Et puis ensuite, nous avons 512 cailles qui endommagées graves. Nous avons 994 cailles qui fissurées. Et ça a un total de 10 331 personnes actuellement là qui sinistrées qui dans la section 1, et y compris quartier Vieux Bout, qui abdominent à la belle étoile, nous capables de dire, parce que même les cailloux ont été crampés, mais les gens ont été craintifs pour rentrer dormir là-dedans, parce que tremblement de terre, alors, c'est, ils sont toujours à passer, par réplique toujours à passer. Alors, dans ce sens, ça, nous pensons que c'est une opportunité pour nous lancer un cri d'alarme, bon côté l'État haïtien, bon côté ONG, bon côté toute instance qui concerne eux, pour faire une intervention rapide dans quartier Vieux-Bout et deuxième section Bellevue pour nous. Qui gagne trois grandes habitations qui s'est trémé, Bellevue, Jean-Dodin et puis quartier Vieux-Bout. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, nous ne pouvons recevoir aucune assistance vraiment qui pourrait aider la population à soulager dans le problème qu'il y a. Sauf que le travail de déblayement qui a fait avec les représentants OSCC pendant 8 jours qui a fait nos services dans la communauté. Puis gros besoin, nous besoin là, dans le moment ça, nous besoin de tentes, nous besoin de prélats et puis nous besoin de médicaments tout pour l'hôpital parce que grand pile de monde qui est victime. C'est bien loin pour le prendre. Et avec les gens qui ont dormi dans ces rangs là, qui ont battu le soleil là, pour aller en pile les gens qui sont malades dans la communauté. Ça veut dire que nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin d'abri pour les gens, tente près là. Et puis tout l'autre, ça qui est nécessaire, coucher pour les gens. Parce que nous avons un système pour capter de l'eau, qui est un système sous-spia, qui est endommagé depuis le tremblement de terre là. Ça veut dire que la population n'a pas accès avec de l'eau. C'est grâce à quelques pompes au hasard nous gagnons. Abra moun yo utilisé pour yo capable une petite l'eau après ça c'est acheter ou pas acheter de l'eau pour le moment nous t'a remé que pour dîner pas ta faut intervention rapide pour nous tous sous système nous yo qui endommagé nous gain système pia et puis nous gain sous tête sous trémé ligne ça yo toute ligne d'addiction yo tout endommagé tremblement de terre 14 là nous te gain en pile glissement terrain dans zone ça gain en pile passage qui était bloqué et population pas capable passer pour évacuer activité yo donc dans sens là il y a un organisme qui te fait une demande pour voir dans quelle mesure tu es capable de voir matériel sur deuxième baie du Mel avec 5e sucrerie Henri. Et côté que 5e sucrerie Henri, c'est une section communale qui puisse frapper dans la commune, comme pas dit dans le département, après Masseline sur Campiré. Parce que presque 90% de maisons dans la zone sont complètement détruites. Comme je pense que c'est tellement trop loin, ça va faire bien si tu as passé, fais regarder qui est en plein dégât dans 5e section. Donc, c'est une phase pas nous. Nous-mêmes, nous avons environ 2 bâtiments de l'école dans la section qui est écrasée, comparativement avec Sucrerie Henri, toute palionnette détruite. Donc, nous avons une équipe matérielle qui était sur Sucrerie pour faire travail de blément et que nous-mêmes, nous sommes venus pour nous lever Rambler qui déboulonne la terre qui était barré route que nous avons dans la section pas nous. C'est dans ce sens que nous, OSCC, qui choisit des débattements vu à ampleur des dégâts qu'il y a eu de constater et voyez matériel ça pour nous qui vraiment utile nous parce que terre antigen pouf là au passé là au compacté les antigen faciliter accès yo c'est tout motocyclette et puis et l'autre monde capable circuler normalement dans section communale là gain route qui était existé gain et toute ma route qui était existé bien entendu mais était en mauvais état pas de pratiquer était impraticable monde pas de passer là-dedans mais ça qui était praticable yo il y a des têtes qui sont boulonnées avec gros roches là-dedans qui sont barrées passage complètement. On voit qu'ils sont barrés complètement. C'est ça, il y a dans le cadre de ça où nous avons travaillé sur presque 6 km tout là. Parce que nous faisons 1.5 qui sortit de Yoa, Rivé et au côté qui est sablé. Nous passons Flipou et puis Maurice. Donc, faire ça là, nous avons quitté au monde, nous quitter Chaumette. Pour nous aller descendre pour nous traverser dans l'autre localité qui est Cajou. Bon, malheureusement, nous avons un matériel qui continue de faire passer pour nous. Nous avons l'autre côté qui a besoin de demander pour l'aller. La population lui-même dit bon, faut que tu aies une satisfaction tout parce que jouer nos matériels comme ça, pas facile surtout dans la section communale qui est là. Finalement, je ne connais pas comment ça va. Je pense qu'à partir de demain, c'est qu'à dernier jour, déjà avec nous. Par contre, quel arrangement, instance va faire, mais OSCC lui-même est là avec nous pour 10 jours, d'après ça qui m'a appris dans la section. Donc nous commandons, selon la disponibilité, s'il te plaît, continuer avec nous pour l'autre 10 jours encore, parce que travaillons en pile, comme nous gardons nous gain remblai qu'à mettre. Nous avons besoin de grader pour nous garder aucune baguette. C'est même des ça nous allons utiliser pour faire travailler ça, équipage approprié avec travail remblai à jour.
Donc nous ne connaissons pas qui ça va décider à partir de demain samedi. C'est un souci nous ça pour nous de quelle mesure, même si ce n'est pas à tout route là, il y a des côtés qui en pente, si nous sommes capables de mettre béton sur eux. Mais faute de moyens, nous connaissons la section communale, il n'y a pas de rentrée du tout. Il dépend 100% du ministère intérieur qui pas même capé une saline qui doit environ 13 mois pour Kazek, 20 mois pour la mairie. Et nous pas penser ça, mais si tu as un organisme comme Jean OSCC à nous coûte mais ça, nous sommes très contents de ça, nous sommes très enchantés de la population en soi, les apprécier et support OSCC avec l'autre compagnie et qui s'est couru qu'à nous coûte mais là là. Donc si vous même tout comme vous venez garder avec des yeux, vous ouais qui Jean zone ça y est, c'est une zone qui a une potentialité touristique énorme. Là regardez belle la mais ça y est, faut qu'on couvre ça bon ça blanc, mais le fait qu'il pas gagne accès zone non utilité dans l'état que il y a là bon comme nous mieux yo si vous capable aider nous nous même n'a fait dimanche pas nous bon côté pas pour nous dans quelle mesure il y a des côtés qui t'a mis des cuvettes qui pour de l'eau à pas continuer couper route là encore, il y a des côtés qui t'a mis des conservation de sol pour empêcher terre de continuer de bouler descendre en bas. Nous pas connait mais ça c'est souci pas nous et avant nous quitter section comme coordonnateur li pour nous au moins permettre nous avoir accès libre libre à travers toute localité qui vient dans la deuxième section Bédi. Moi, dit tout l'autre monde qui est victime dans le tremblement de terre, ça, bon, pour être capable de continuer à camper et nous garder ça, nous capable de faire. Bon, d'abord, c'est l'église paroissiale Saint-Agnès de Beaumont. Alors, puisque c'est une paroisse, et nous-mêmes, nous gagnons une responsabilité pour nous capables d'accompagner tout fidèle dans une situation qui n'est pas facile parce que nous gagnons une ville là où capable de sous-passer. Après, maison qui campé yo terriblement endommagé. Ça veut dire pas beau site, nous gain en pile problème. Et d'ailleurs après nous gain l'école là qui son groupe scolaire les gain, le collège la Providence de Beaumont et puis il gain école Saint-Vincent de Paul et puis il gain kindergarten Pipirit Chantant et que yo trois l'école ça forme un groupe et d'école qui dépendent de paroisse, relié à paroisse Saint-Agnès de Beaumont. Et que moi-même, dans la responsabilité, nous gagnons ici, ben, nous avons Jean l'école était terriblement endommagé parce que nous avons un bâtiment qui était déjà presque crasé net, et bien avec aide magistrat qui vient avec matériel dans Peltesa qui permettent nous de déjà démolir un bâtiment scolaire. Là, et nous avons un côté pour nous être capables de faire un hangar pour accueillir que Timonio qui prend le gain pour l'ouverture de l'école. Mais on connaît pour avec rentrée des classes, il n'est pas facile pour nous capables de joindre un lieu pour nous capables d'accueillir tout ça. Là, ça fait nous-mêmes n'a fait possibilité pour nous être capables de gagner un hangar qui pour permettre nous accueillir que élèves dans le mois d'octobre parce que nous pas capables de faire rentrée scolaire là dans le mois de septembre ça. Mais avec la présence ça qui gagne pas bon site pour clocher nous était terriblement endommagé parce que le était un petit genre descendre comme ça puisque il était représenté un danger et que pour population surtout pour fidèles qui capable de venir la prier avec nous gagne espace ça espace Saint-Agnès c'est là dans en attendant nous célébrer l'Eucharistie les matins et même les dimanches c'est là nous été célébré puisque nous pas rentrer dans l'église là nous pas aller là-dedans. Mais nous étions dans la cour, non? Et là, nous-mêmes, nous étions célébrés la messe. Mais qu'on y a avec la préparation nous fait là, pour que nous retirions le clocher, en quitter un danger, et puis pour nous capables de nettoyer le terrain. Hein? Ouais, bon, après ça, comment petit nous capables de relever dans la situation ça. L'autre étape, c'est que bon, nous-mêmes, nous fait, jusqu'à présent, nous faisons confiance à l'autorité. L'ENDI me fait confiance à l'autorité. Et nous pensons que Jean, il a dit qu'il y a des corps capables de débloquer pour aider Grand Sud-Lan dans une situation ça qui est vraiment tragique pour nous-mêmes. Et que non seulement, après, pas bossant, comment les ravager, mais plein de monde qui a l'autre problème, nous pensons qu'il n'y a pas quitté nous seuls par rapport à toute responsabilité. Ça. Parce que la reconstruction qu'on y a, ça a un coût. Et c'est dans ce sens-là, nous comptons que sous façon, il n'y a pas le continuer à accompagner nous pour que nous pas seuls face à un bagage comme ça. D'ailleurs, après Mathieu, eh ben, en pile l'église, nous avons qui crasé dans le diocèse de Jérémie. Jusqu'à présent, nous avons qui panko relevé. Par exemple, nous avons un sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours dans la Tibolière et que l'Iplatate est depuis Mathieu. Et qu'on y a une sortie presbytère là, qui dans le même espace, dans le même côté, dans le même lieu. Eh bien, avec un tremblement de terre là, qui vient
augmenté. Ça veut dire que c'est accès sous clou, Jean Mounio était capable de dire. Et nous comptons aujourd'hui pour nous recevoir Radio Télé Guinée dans la commune Beaumont qui vient ouais avec yeux qui sa moun Beaumont a passé, qui sa moun Beaumont a souffri. Et pour ta satisfaire, ouais sa commune Beaumont a subi, faut nous entrer dans toute section communale pour nous garder. Pour les gens qui ne connaissent pas Beaumont, faut nous dire la commune Beaumont placée sur route nationale numéro 7 là, c'est après Dichiti. C'est la première ville porte d'entrée du département Grand-Anse. Elle est située dans Mon, à 600 mètres d'altitude jusqu'à Pic Makaya. Jean Abdoula, la situation est vraiment dure, vraiment terrible. Après le passage du tremblement de terre, nous avons enregistré 46 morts. Nous avons des photos, nous avons des images que nous avons montrées pour nous pouvoir qui ça qui a gagné. Nous avons 7 personnes qui disparaissent net. Côté éboulement, terre cassée tombée sous yo, nous pas joindre le cadavre ça yo même pour nous enterrer. Ça va nous permettre de gros problèmes dans la tête de la source de l'eau pour nous boire de l'eau qui est dans le monde. Ensuite, la commune qui était déjà enclavée par une pile source de l'eau sur le bon côté par nous, nous avons seulement une grande rivière, Grand-Anse qui coupe le monde, qui jambé en deux, qui descend. Là, qu'on y a là, il finit frappé, eh bien, sous ce qui était prêt, il a séché. Mort de boulement comblé, il n'y a pas même de l'eau pour nous boire. Il y a un caillou qui était en pile citerne, qui était capté de l'eau là, puis il y a mis là pour nous utiliser. Citerne, ça a été tout fondé, ça vient rendre un gros problème de l'eau en dedans de la communauté. Nous avons 1391 cailles qui détruit maisons privées. Nous gagnons 4554 maisons endommagées, lundi endommagées graves. Parmi lesquelles, sont les cap de blé là, c'est une endommagée. Nous gagnons 573 qui fissurent, c'est après ingénieurs, techniciens, qui viennent visiter, qui viennent garder. Nous avons dit, est-ce que nous avons mis internet ou bien est-ce qu'il y a réparé? C'est pour démontrer comme nous avons une extrême difficulté. Nous recensons 240 blessés. Parmi eux, nous avons gagné 34 cadavres qui sont jambes cassées, bras cassés, gros blessés graves, GPT, senti bloqué. Nous avons l'hôpital nous ici pas de répondre à l'exigence. Nous rapatrions un pénant à Jérémy. Le reste de l'hélicoptère, ça qui grave, l'hélicoptère vient chercher pour aller au soin, à Port-au-Prince, à Caen, au CAI, tout côté qui a un médecin qui a répondu à l'exigence. C'est pour démontrer que la vie grave. Grave. Nous avons 54 écoles dans la communauté. Nous avons 23 là-dedans qui tombent plat à terre. Nous avons 16 là-dedans qui endommagés graves. Nous avons 15 qui fissurés. Ça veut dire que ce n'est pas grand rien fait pour nous pour entrer l'école là. Ania nous a passé sans l'école. Avec le concours OSCC, nous avons déblayé l'espace côté que pour nous faire un gars. De gros espaces qui peuvent faire, parce que de l'école, par exemple, qui besoin de 20 salles de classe, qui besoin de 12 salles de classe, qui fonctionnent en deux vacations, avec dit qu'il y a besoin de pile d'espace qui vous permettre à l'école là pas perdu. Nous avons une longue CSPN. Nous disons que préoccupation du gouvernement, c'est que tout le monde dans le pays vive en sécurité. Principe qui est plus important pour nous, pour le gouvernement, une priorité de nous dans le gouvernement, c'est que c'est rétablir la sécurité. Situation Jean Lié là, son situation qui est préoccupante. Les préoccupantes, c'est peut-être ça, nous réunissons CSPN et nous prenons un certain nombre de décisions pour que nous retrouvions plus en sécurité à l'intérieur du pays. Sécurité, c'est pour un bagage qui évolue de façon statique. M'a dit tout simplement, bandit qui voulait faire la loi, il faut que vous connaissez déjà, c'est des hauts la loi que vous avez. Quelle que soit l'activité que vous avez essayé de faire pour faire mon peu, rôle la police, c'est protéger et servir. Rôle la police, c'est prendre toute disposition pour que bandit retrouve le côté supposé des barreaux dans la prison. La police a identifié
tout bandit, tout côté bandit a des problème. Et la police n'a pas jamais bouqué, monter opération pour traquer eux, empêcher eux que pour simer la pérèse dans la population. C'est ça que fait. Dernièrement, vendredi dernier, nous avons monté une opération pour te traquer, bandits, cracher du feu. Depuis quelque temps, à terroriser la population. Mabdine, cracher du feu, spécifiquement. Touiller pour nous 5 policiers. Attaquer 4 commissariats. Depuis 2 mois, la police a collecté l'information, monté filature, qui fait que bandits créent les maninois, il n'est plus. Et c'est chemin ça qui tracé pour toute l'autre bandit qui a fait mon peu. Toute l'autre bandit qui a pris pause, qui a fait la loi, la police a privé sur eux. De toute façon, nous présents, menace qu'a fait eux, nous prenons, nous analyser eux, nous prenons disposition pour que zone ça yo sécurisée, bandit yo rete dans l'espace que y a au fur et à mesure. N'a privé sur yo. Attaque qu'a fait sur la ville. Menace qui gagne sous prison. Menace qui gagne sous l'aéroport. La police a dit population, li là. Hier soir, toute nuit là. Jodi, toute journée, demain, toute semaine là, et reste qui était bandi yo, nous sous nous. La police là a cherché nous. La police a privé sur nous. Mais tout pour nous faire, nous besoin d'appui population. Appui population ça, qui veut altérer. Pour si nous à l'école prochainement, l'école l'a ouvert. Pour si ma chaîne nous lever, à dégager dans la rue. Nous sommes un pays qui a des difficultés déjà. Donc, bandits, pas qu'à tout le temps, à ennuyer santé nous, à bailler problème. La police avec toute force que l'on a, à collecter information. Avec appui population, j'en après l'autre. Ou bien tout en même temps, bandit a besoin de réponse que la police a supposé. Kidnapping, c'est l'autre forme de violence que bandit toujours appliqué pour détruire famille, pour terroriser le monde. C'est vrai, dernièrement, on rousse dans la forme de violence. La police là, a analysé Kayo, gardé tendance, qui boit au premier, qui boit avec yo, et n'a continué à faire ça, nous qu'on fait, n'a continué à demander des CPJ, qui c'est police judiciaire, qui a 25 ans, l'a fait travailler ça. Il y a plus de matériel nous supposons recevoir pour nous traquer de façon pour nous utiliser des technologies. C'est vrai qu'on a certaines ressurgences dans le kidnapping, mais la police, même gens, l'a traqué bandit, qui a boulé, qui a pillé, kidnappé. Nous avons des cellules contre l'élèvement qui travaillent sur ça. Et nous avons cherché plus de moyens pour nous capables de faire ce travail là et réduire ou bien stopper. Genre de violence à la population. Justement, c'est même phénomène, c'est dans quatre phénomènes d'insécurité que nous avons parlé là. Hier soir, il y a une machine qui passait dans la zone d'Elma 43. Il y a des gens qui sont victimes. La police, là, il y a un premier élément machine, ça a coulé, marqué. Malheureusement, pas qu'il y a une plaque là. Donc, il prend pour nous renforcer présence là pour que nous éviter genre de violence à la population. Et m'a profité pour me retourner sur appel que m'a fait sous population. À population pour nous jouer une collaboration. La police est victime de bandits. Mais nous-mêmes, tout en tant que journaliste, en tant que maman, papa, qui vivent dans le pays, hein, nous victimes de phénomènes. On mettait ensemble avec la police. Nous avons une police qui est engagée.
avec moyen qu'on gagne, c'est 26 ans de l'expérience que nous gagnons, qu'on a certaines expertises que nous développons dans le domaine. Il y a des hauts et des bas. On a continué de travailler pour que toute gang qui a des problèmes, quoi des bouquets, vite l'homme, nous avons une fixation sur vite l'homme. Parce que je n'ai pas assassiné les policiers, je n'ai pas assassiné. Vite l'homme sont bandits, oui. Ou pas qu'à faire tête au passé pour un homme d'affaires. L'autre n'est qui dit, il a privé sur la police là, force là, c'est le même lié. Calme. Calme. Et avec appui population, n'a privé, résoudre ou bien diminuer le nombre de cas de violence. Tirer sur le monde pour qui ça? Les gens qui blessent hier, qui ça vous fait bandir? Ils ont l'autre objectif. Mais l'objectif de la police, c'est stopper pour peur. Pour la police n'a pas qu'à peur. Il faut travailler avec la population pour que la peur change de camp. C'est bandit qui pour peur. Il m'a rappelé un bandit. Durée de vie, un bandit, il va dépasser 2-3 ans. Je vais filmer. Je vais sonner. Tout monsieur ça va faire des audios, nous allons joindre. Monsieur ça va passer déjà. C'est ça me promet nous en tant que chef de police. C'est travail moi et ça m'a fait. Pape, qui c'est plateforme haïtien patriote, c'est une méga structure politique qui rassemble un ensemble de partis politiques et organisations de la société civile. Nous baillons tête nos missions. Accompagner peuple haïtien dans la bataille que l'a mené pour que l'Irive joigne justice pour président Jovenel Moïse qui lâchement assassiné par les ennemis de la nation, par les ennemis du peuple haïtien. Jodia, ensemble d'organisations et partis politiques qui en dedans peuple là, yo levé voix yo pour yo dénoncer yon ensemble de accords non inclusifs nous est cap fait. OK, contre peuple haïtien. Jodi a peuple haïtien, c'est pas mode accord ça auquel besoin. Oui, peuple là pour gagner un accord, mais forcer un accord inclusif. Catégorie de moun sa yo, qui mettait tête yo ensemble jodi a, pour signer accord de copinage sous deux peuples là, yo pas jamais en désaccord. Yo te toujours accordé violon yo, pour yon te assassiné politiquement président Jovenel jusqu'à ce que yon arrive assassiné physiquement. Et mes groupes moun sa yo pas capable jodi a entendre yo pour yon signer accord pour engager nation sans la participation des alliés du président Jovenel Moïse. Qui moun ki ka signé accord? C'est moun qui était en désaccord qui ka signé accord. C'était un groupe moun qui t'a assassiné caractère président. Jodi a yo même encore qui pou vinn ba peuple accord? Non, ça pas passer. Nous n'avons aucun problème. Pas de sacrifice qui est trop grand pour sauver la nation. Nous-mêmes, les alliés du président Jovenel, pour sauver la nation, nous avons toujours accepté Chita Mounzayo pour que nous jouions accord pour nous aller vers les élections. Parce que seule façon pour yon moun rentrer dans le palais national, seule façon
pour yon installer comme président dans le pays, c'est dans l'élection pour sortir. Parce que seul monde qui a pouvoir mettre un président dans le pays, c'est le peuple haïtien. Et seule façon pour jouer adhésion au peuple là, seule manière pour jouer aval au peuple là, c'est dans l'élection pour aller. Alors quel nègre qui comprend nous vient prendre parler national d'assaut, peuple n'a pas d'accord. Et nous allons mettre les pieds nous à terre pour nous dire non. C'est l'élection qui vous faites. Peuple haïtien, c'est pour nous lever campé pour nous dire nous pas voulons transition. Parce que tout nèg sa yo, c'est transition. 2 ans, ils ont besoin pour qu'ils aillent piller. Et peuple haïtien, si nous quittons nèg yo mener nous la transition 2 ans, il y a fourré dossier justice pour le président Jovenel Alontiwa et il a plié. C'est ça que fait. Il faut que nous toujours univroyons nous pour nous dire justice pour le président Jovenel. L'on assassiné président République là ou assassiné le peuple haïtien. Depuis l'assassinat lâche et crapuleux de la nuit du 6 au 7 juillet 2021 du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, en sa résidence privée à Pèlerin 5, le pays fait face à une crise institutionnelle sans précédent. Car aucun prescrit de la Charte fondamentale de 1987 n'avait prévu de dispositions légales permettant de rétablir l'ordre démocratique en cas de vacances présidentielles et du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Cependant, face au flou constitutionnel constaté, la solution la plus rapprochée de l'esprit de la Constitution de 1987 amendée est l'application de l'article 149 stipulant en cas de vacances de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès, ou en cas de capacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un autre président. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République, pour le temps qui reste à courir, a lieu 60 jours au moins et 120 jours au plus, conformément à la Constitution et à la loi électorale. Mais, face à l'ampleur de la crise sociopolitique que traverse le pays, l'application stricte du dit article ne garantit ni la stabilité politique recherchée, ni le redressement démocratique escompté. Alors, pour arriver au redressement démocratique, un accord politique inclusif s'impose. En tenant compte que l'actuel Premier ministre, M. Ariel Henry, a été nommé par arrêté présidentiel en date du 5 juillet 2021 pour composer un gouvernement d'ouverture incluant les forces vives de la nation et ayant une feuille de route concise consistant à résoudre le problème criant de l'insécurité et à accompagner le Conseil électoral provisoire pour la réalisation des élections générales et du référendum. Mais, avec les tristes événements du 7 juillet, à cette feuille de route s'ajoute le devoir de rendre justice à la famille Moïse et au peuple haïtien. Les partis politiques et organisations de la société civile, signataires du présent document, ont constaté que la situation sociopolitique continue de se dégrader, voire s'empirer avec le séisme dévastateur du 14 août 2021, plongeant le Grand Sud dans une situation humanitaire critique. Pour cela, la plateforme Haïtien Patriote, consciente de la situation alarmante que traverse le pays, a décidé de fusionner ses ressources tout en conjuguant ses efforts en vue d'offrir à la République un document pour un accord inclusif devant conduire à la réforme constitutionnelle et aux élections libres, honnêtes et transparentes. Car, en absence d'une base constitutionnelle, seul un accord de cette envergure pourra légitimer toute action politique devant conduire au rétablissement de l'ordre démocratique. Considération générale. Considérant que l'assassinat du président Jovenel Moïse est un affront à la souveraineté nationale et aux valeurs républicaines. Considérant que ce crime de lèse-patrie plonge la République dans une crise institutionnelle aiguë. Considérant que justice doit être rendue au président Jovenel Moïse.
Considérant que la situation sécuritaire du pays se dégrade au fur et à mesure que la crise sociopolitique s'accentue, considérant qu'aucun accord politique ne doit reproduire le schéma d'exclusion de l'article 291 de la Constitution de 1987 en excluant l'un des protagonistes, les partisans et alliés du président Jovenel Moïse. Fort de ces considérations, ces partis politiques et organisations de la société civile ont mis sur pied une plateforme politique, sociopolitique dénommée Plateforme Haïtien Patriote, dans le but de faire une plaidoirie en faveur d'un accord inclusif avec les vrais protagonistes de la crise haïtienne. Le magistrat est tenu pour commencer, n'est-ce pas, travailler, ce que nous sommes d'accord avec lui. Pour y a, toutes questions qui sont posées, répondent correctement. Jean la loi Vlélie et en toute vérité. Et j'aime bien toujours dire, Jean la guerre civile, victime d'un complot. Parce que, moun qui touye Jovenel, yo te dit son coup d'état. Nous tout étendons. L'heure fini, yo dit au président provisoire. L'heure fini, yo vient d'entrer dans le palais, Jean la guerre civile bloqué. Donc, mais ça me s'est payé là. Maintenant, nous passons à savoir que nous avons action en habeas corpus sur des faits. Dans un bain de civilité hostile, nous fait appel. Nous plaidons appel là déjà et nous attendons une décision appel là que nous espérons cap heureuse. Kounia là, étant donné que le contexte nous attendons des clients non pas très, trop favorable, j'aime bien dire dans le livre tout à l'heure. Jusqu'à venir folie discontinuer et remettre pour mardi prochain. Donc mardi, nous sommes tous là. Parce que la première comparution est beaucoup finie. Il y a telle réquisition que de droit que nous sommes capables de faire. Donc mardi, nous sommes tous là. Et nous espérons que les conditions sont favorables pour nous finir avec l'audition client qui est commandant Jean la guerre civile. Bon, étant donné que l'instruction est secrète, on va parler de campagne et puis on commence à déballer en bonne bagaille. Et comme nous tous les témoins, depuis nous avons appris ça, même Goulia nous a venu ici, et nous faisons un paquet de temps à attendre. Quand nous allons aller à Fonti manger, nous disons, nous venons, nous quittons manger, nous courons tout. Bon, ce n'est pas une question de faire confiance. C'est une question de juge. Son juge. Donc, le juge a fait travail lui, et pour moi, on fait travail pas. Donc, bagaille, l'autre monde qui a dit, bon, juge c'est ci, juge c'est là, juge K, juge pas K, ça c'est une autre question qui ne me concerne pas. Donc, nous-mêmes, nous là, pour nous faire tout ça que la loi a demandé et exigé, et nous là tout, pour nous faire, pour nous blanchir, client nous, des fausses accusations à eux que vous mettez sous la situation de l'hôpital là avant est vraiment compliqué. Nous avons plus de monde. Les gens qui ont remarqué, les gens ont commencé à diminuer. En plus, ils ont commencé à faire mieux, ils ont transféré tout ça. L'an premier, qui c'était 14 août, pour arriver tout 15-16, les gens ont sorti dans différents lieux, dans différentes zones. Il y a des gens qui sont dans d'autres communes, qui en dehors de communes locales, il y a des sorties Torbeck, il y a des sorties Maniche, il y a des sorties Saint-Jean et autres. Pour être capable de prendre soin, là, en pile là où tu as pour être cassé, pied cassé, tu as gagné là où tu as senti bloqué tout ça. Donc, grâce à la direction centrale là, qui a fait une intervention très rapide, qui est venue avec quelques intrants et avec médecins et gynéco, médecins chirurgiens, nous avons gagné anesthésiste, tu as infirmière, tout est sur place. Donc, tout le monde s'est recevoir ses soins normalement. Il y a là-dedans tout est transféré. Il était dans notre hôpital, soit bien à Mise et à Port-au-Prince. Pratiquement, nous n'avons pas dit nous rencontrer des difficultés parce que la direction générale là, qui est dirigée par Joseph Agabus, qui est DG institution, il était fait tout effort avec l'équipe pour être présent sur place et porter médicaments et rendre la population recevoir soins gratuits.
Oui, par mesure de précaution avec des fissures qui gagnent l'hôpital là, j'ai carrément marqué bâtiment grand pile côté qui est fissuré. Donc les patients ont été obligés de loger en bas galerie de l'hôpital là. Ils étaient dans la cour avant, mais par rapport à la saison la pluie, ils ont été obligés de déplacer pour être capable d'être plus près la cour si toutefois tu as gagné une réplique qui est forte. Dans le même jour, le directeur général là, tu as gagné un groupe taïwanais qui était déjà passé pour faire. Pour faire visibilité, pour être capable de visiter ouais, comment ça est. Et nous féliciter Radio RTG accompagné de un ingénieur taïwanais qui est avec nous pour être capable de réévaluer encore le bâtiment. Et nous espérons que l'ambassade de Taïwanais prend note de ça pour être capable de le plus vite possible, pour être capable de porter un support, j'ai habitué à faire un bâtiment ça pour que la population a toujours continué de servir. Tout est demandé pour que vous interveniez le plus vite possible parce que la population qui est là au Fatma, surtout assurer nous, qui c'est là au même des services, c'est là au prend soin, nous t'arrêtons pour que vous fassiez tout ce possible pour que vous capable de venir, soit réparer ou bien faire tout ce qu'il a en capacité et profession. Par rapport à l'ouverture des classements qui est fixé pour le 21. Et septembre et cap fini là. Bon. Et nous-mêmes, il faut dire que nous pouvons comprendre et report là, dans une certaine mesure, les arranger nous, en ce sens, que la permettre nous faire quelques préparatifs. Et nous capables, et là, que nous avons pied d'œuvre. Nous gagnons en fait des boss qui a changé et plywood en fait pour nous, qui a accusé le coup, parce que pas oublié, c'est un lycée que tremblement de terre 12 janvier 2010, t'es sapé complètement. Et donc et depuis lors, et nous avons travaillé et dans un hangar, donc et plywood, tôle, qui accusait le coup. Et là, nous obligés à faire travail de réparation, changer plywood, changer poteau et tôle, etc. Donc, nous à pied d'œuvre. Et repos ça, est vraiment bénéfique pour nous, pour que nous capables d'accueillir Timounio, eh bien, dans un espace qui est plus ou moins approprié. Ce n'est pas l'idéal, mais qui est plus ou moins approprié par rapport à état que plywood, état espace physique, institution en fait de tailler. Donc jusqu'à présent, et nous sommes capables de dire que les préparatifs avant bon train et nous obligés et prolonger inscription nous. Et nous prolonger inscription par rapport et à demande, ok, et par rapport également à certaines classes qui est quelque peu et clairsemée. Donc jusque-là, nous sommes capables de dire que ça va et qu'on garde dans le couloir ou en fait rien des parents. Donc jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que et tout est pour le mieux dans une certaine mesure. Ce n'est pas l'idéal, mais on fait de son mieux pour que le 21, nous sommes capables d'accueillir Timounio dans un espace plus ou moins acceptable. Bien. Si au plus haut niveau et de l'État, vous pensez à accorder une subvention aux professeurs et aux écoles nationales, et l'école lycéo, bref, les écoles publiques, pour une bonne initiative, c'en est une. Bon, nous avons espéré que, et pour Messlan, il a concrétisé dans la glaise du réel, eh bien, bon, et parce que nous-mêmes, et fervent disciple des Romains que nous y sommes, nous avons dit acta non verba, donc non plus quoi dans les faits, dans les actes, pas dans les paroles, mais nous connaissons que, et les autorités en fait de parler, bon, ce qu'il dit, ou t'as dû considérer lui, et comme paroles sacrées. Donc, et après ton, et là, et déjà, je suis capable de dire que, moi, associez-vous à moi, au corps professoral, aux élèves, bref, aux principaux bénéficiaires, pour nous dire un grand merci déjà, d'accord, aux autorités qui pensaient, eh bien, et à professeurs et à élèves
non, et pour subvention que a bail la main, nous t'a espéré vraiment que subvention adjoint un monde qui dans le besoin, monde et qui vraiment en situation délicate par rapport et à séisme, mais par rapport à précarité, par rapport à situation socio-économique que professeurs, élèves, parents, bref, la société dans son ensemble et que l'y a fait face. Donc c'est ça. Il est vraiment fondamental que subvention adjoigne moun qui a besoin et moun qui méritait subvention vraiment. Par rapport à un scandale et que l'école la victime, parents et élèves victimes, pas oublier que l'État construit lycée, c'est pour les couches défavorisées. C'est pour moun qui en situation économique précaire. Donc, nous pas capable d'accepter que des moun eh bien, à rançonner, extorquer, en fait, élèves, faire élèves des propositions indécentes, faire des chantages avec les examens du lycée, donc, qui viennent et saper, si vous voyez, et dans une certaine mesure, l'image du lycée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous gagnons, il y a un professeur suppléant, et du nom de d'origine James, que je capable de dire que, et que tout le monde connaît, c'était censé petit moins, parce que, et l'homme rivé dans le lycée Alta fait seconde, donc je l'ai accompagné de seconde jusqu'en terminale, et moi j'étais même voulu prendre lit pour l'être avec moi, donc et je l'ai accompagné, mais me fait l'aller dans la faculté, et c'est moi-même qui entreprends des démarches pour joindre demi-bourse, pour lire dans la faculté, c'est moi-même qui mettais dans le système là, ça veut dire entreprendre des démarches pour le nommer. Donc, c'était censé bras droit directeur que t'ayez. Mais il se trouve que, sur dénonciation des parents et des élèves, depuis et près de 3 ans, eh bien, les violer confiance PAM, les induits censeurs qui responsable texte d'examen en erreur, et puis sous censeur, les prend texte d'examen et que les vannent et élèves. Eh bien, des parents, malheureusement, qui irresponsables, qui rentraient dans la logique là. Et dans un premier temps, il était entendu avec Timonio pour un fait de 25 000 gouttes pour le vendre d'examen. D'accord? Et qui est-ce qui choisit pour collecter comme pour lui? C'est le président de la classe. Et c'est le président qui en fait réunion élève pour lui. Au final, ça viendrait à 15 000 gourdes. Que l'on connaît que Timon qui n'en dit c'est des couches défavorisées. Ils n'ont pas de moyens. L'État pas accompagné. Et je nomme là. Et le professeur suppléant d'origine James qui fait ça, on lui-même, c'est boursier l'État, parce que c'est là qu'il fait toute étude. Lui connaît Jean Timonio dans une situation difficile. Connaît, c'est même lui-même qui prend propre dans mes Timonio. Et Lisa, ma montre là, c'est Lis, tout Timon que le prend propre dans mes yo. C'est Lis, peut-être vous capable de demander au directeur, qui va rejoindre Lisa? Et ma réponse, non. Lisa, lui préparé par le président de la classe. Et président classe là, c'est jeune homme, ça professeur suppléant ça, comme je les deux jeunes James. Hein, et que c'est lui-même qui choisit et président classe là. Chaque fois il est payé, il écrit non là. Et sous garde sous côté à là, sous côté ça là. Ou après qu'on côté qui écrit balance 1000 gouttes pour monsieur James. Oh, le bonhomme s'appelle deux jeunes James. Donc, et premier versement, élève là, il a fait lui dans une faculté. Côté que moi je fais au bal demi-bourse, je vais citer dans la faculté hein, et que vous pas dans la situation, etc. Et qui n'a eu 4 ans. OK. Donc, c'est là premier versement à fait, un versement de 400 dollars. Comment direction pas le faire qu'on est? Examen que le vanio, eh bien, lui prépare, mais solution ou pas bon. Donc, du coup, les élèves n'ont pas réussi. Donc, tout perdant devient récalcitrant. Et parents, ils ont dénoncé. Face à ça, moi, entreprendre des investigations. J'ai rencontré 15 parents et élèves. Ça, c'est ça qui fait que je viens de rencontrer avec le président que le contrevenant, et se reprenne, et que lui, t'es fait ramasser comme boulien, hein, qui bombe l'Islam. D'une part. Eh bien, à partir de ce moment donné, le bonhomme, et moi, rencontré avec lui, et de peu, je l'aurais fait arrêter, et moi exigé pour lui remettre toute cob que le t'es prend.
Ça, c'est lisse remboursement. C'est lisse remboursement parents avec élèves qui viennent chercher Kobio. Parce que on est obligé qu'il y ait deux chèques chaque mois de juin et mois de juillet pour qu'il soit capable de remettre comme là. Donc ça c'est liste de remboursement. Tant qu'on est capable là que Timounio qui vient chercher Kobio. Donc on va comprendre que et ça a dérangé l'institution parce que on lycée que bien et que nous prenons toutes dispositions par rapport à résultats, par rapport à attitude, conduite élève, que nous voyons qui sont lycées de référence, n'ont pas capable de quitter Moun, et bien à rançonner élève, à extorquer élève, pendant que ou même son ancien élève là, en fait, que vous voyez, mon ancien élève lycéen. Cela dit, nous dit que il n'y pas suffit pour que vous transférez en fait un professeur suppléant, M. Louis John James, parce que leur transférer l'ouvrir dans l'autre lycée. Le problème n'est pas résolu, on n'a fait que déplacer le problème. On n'a fait que transférer le problème. C'est vrai, et que moi j'ai mis le en dedans pour que l'autre élève et semblier nous rencontrer avec des parents de demoiselles qui font des déclarations. Et sous téléphone ça, moi j'ai les textes d'examen que, c'est-à-dire que l'Ivanio, et à l'ombre à le montrer au côté que les mettez examen sont à plywood pour être capable de copier. Non seulement j'ai un texte d'examen sur téléphone ça, mais moi j'ai tout. Conversation, professeur, avec un élève. Élève là, il était enregistré et puis il voyait par l'autre ami. Et puis il voyait le moi sur téléphone là. Au côté des voix, en fait, un professeur suppléant avec elle. Donc voilà. Par rapport à, n'est-ce pas, eh bien, à ce tact d'escroquerie et de forfaiture caractérisé, eh bien, direction 1, il était jugé nécessaire pour que l'été fait, eh bien, le rançonneur et restitué comme que l'été prend en main par un petit monde qui déjà pas gagné. Et j'aime ce mot là, ça, c'est la liste de remboursement, c'est l'accusé de réception. Donc voilà. Jean-Premier ministre Ariel Henry a annoncé le jeudi 2 septembre là. L'école Anessa a l'ouvri en deux temps. Le premier groupe l'école qui n'est pas dans le département Grand Sud là a l'ouvri 21 septembre cap venir. Le deuxième groupe l'école qui est dans trois départements Grand Sud là qui a subi tremblement de terre a commencé l'ouvri dans la date 4 octobre 2021. C'est un changement dans le calendrier ministère a été adopté dans le mois de juin 2021. Pour qui ça, changement date ça yo? Décision ça prend après conseil ministériel qui était fait dans la date de septembre nan, pour deux raisons. Première, parce que nous comprenons que goudou goudou 14 d'août là fait un pile dégâts dans le grand sud là. En pile l'école rasée, en pile parents subi dommage, en pile timoun bouleversé. L'école Grand Sidio pas paré pour recevoir timoun yo. Deuxième raison, en pile parents subi dégradation économique dans moment COVID-19 là et puis la trouble dans différentes régions dans pays a. Yo besoin râler yon souffle. Yon délai pour gérer question rentrer l'école là. Ministère éducation a fait yon jan pour rattraper 2 semaines l'école dans zone sa yo. Pour grand sud là, ge disposition kapran pour rattraper mes élèves qui pas fait yo. Mais pour kounye ya, gouvernement a travaillé avec toute organisation qui compte bail coup de main dans financer éducation tant que BID, Banque mondiale, Union européenne, UNICEF, Partenariat mondial pour éducation, USAID et tout l'autre pays ami pays d'Haïti dans bilatéral. Gouvernement a pressé voix yo semaine ça dans une conférence avec tout partenaire ministère qui finance éducation pour yo ka di ki niveau aide y a poté pour aider
tout élève grand sud là qui gagne l'école yo endommagé ou soit écrasé net ou bien qui gagne parents yo victime dégâts tremblement de terre. Travail dresser liste l'école qui besoin aide yo a continuer. N'a parlé avec partenaire yo tout sous programme subvention pour parents yo. Programme cantine dans l'école yo. Programme bay uniforme pour élèves yo. Programme appui psychologique pour élèves et professeurs. Programme bay livre dans l'école publique yo. Programme formation pour professeurs yo. Tout programme ça yo pral mandé pour nous faire changement dans quelques projets qui étaient là déjà. Après ça, pour nous écrire l'autre projet précipité. L'autre bagaille pour nous garder, gouvernement fait une commission interministérielle pour rentrer l'école là. Même l'IOC, travaux publics, intérieur, finances et éducation. Chaque rôle yo dans travail qui pour fait pour l'école Grand Sidio cal ouvri. Commission 1 a travaillé tout à trois ministres qui délégué dans département sinistre yo. C'est ministre condition femme nan, ministre tourisme là et ministre environnement. Gen quelques actions qui commencé fait tant que déblayage une série l'école qui doit recevoir estricti provisoire. Dans gouvernance secteur, hein, nous rappeler interdiction pour yo pas ouvrir l'autre l'école avec nouvelle salle classe dans l'école publique yo. Interdiction pour moun pas aller travail dans place l'autre moun dans l'école publique yo. Ça relé sous-traitance. Limiter quantité de moun dans salle classe yo. Si tout dans lycée yo. Ma profite dit nous fin bay résultat examen 9e année fondamentale là. N'a travail pour résultat bac là. Faut nous tout coller tête ensemble pour ti moun yo ka tourner l'école parce que c'est yo qui avenir pays ya. C'est yo qui richesse pays ya. Et puis faut que nous respecter droit yo. Puis rejoindre bon gens l'éducation. Ce grand pile demande, yo kon rive jusqu'à 100 moun, 120 moun. Ça pas possible pour pédagogue pour apprentissage là. Donc nous mandé yo pour yo mettre 60 moun. 60. Yo pas doué dépasser 60. Pour l'école qui ouvre déjà. Nous connaît c'est pas première fois ça a fait. Que date ouverture l'école là pas respecté par un paquet l'école dans ça ministère autorité ou pas parler de là dans les parce que faut nous songer très bien l'école yo pas fait si moun yo payer par mois qu'on y a l'école yo c'est pas tranche yo fait si moun nan yo payer que si moun nan aller qu'on y a que l'aller 21 septembre nan, parents yo a gagné pour yo payer. Cependant, décision nous prend pour que nous dit faut l'école là ouvrir en septembre, c'est après nous te fin gagné des rencontres avec syndicat enseignant yo, quelques directeurs l'école qui fait que nous prend décision pour l'école là ouvrir en mois de septembre. Donc faut me dire que ministère nous-mêmes nous pas faire travail n'a faire pour l'école publique seulement parce que tout le monde doit aller à l'école puisque tout le monde doit aller à l'école nous devons mettre toute disposition pour tout le monde à l'école c'est ainsi que j'en saute à la si gagne de l'école qui pas capable de reconstruire donc nous comme ça bon pas même reconstruire mais c'est provisoire nous dit que l'école ça yo qu'à utiliser l'école publique yo l'après-midi parce que grand pile l'école publique yo c'est seulement le matin yo fonctionner donc capable utiliser l'après-midi. Et ceci, ce n'est pas seulement pour l'école publique, à l'école publique, mais c'est pour l'école privée, non publique, tout. Si que un établissement
qui fonctionne matin, li ka prêter un autre li pour li fonctionner après-midi. Donc c'est comme ça nous-mêmes dans le ministère nous aborder question ça yo avec directeur l'école. Yo. Nous capable dire l'école là pas te ka ouvrir parce que là nous garder situation parents, c'est pas parce que seulement parents dans grand studio. Mais si nous suivons nous-mêmes qui journalistes, nous te capable là yo paré effectivement pour l'école là ouvrir dans toute la ria ou commencer ouais une série d'activités. Gouvernement l'a regardé, il n'y a pas aucune activité. Parce que parents, yo, comme nous sommes dit tout à l'heure, ils décapitalisés. Donc, il y a des parents qui ne faut nous pas garder seulement parents qui sont capables de voir l'école, mais il faut nous garder des parents qui sont vulnérables tout. Donc c'est l'instant ça qui fait yo, l'école yo, yo reporter. Ce n'est pas seulement pour faire solidarité avec Sud, mais c'est là qu'ils regardent qui gens. Parents yo décapitalisé. Donc nous dit gen subvention pour parents yo, gen subvention pour élèves yo, y a ba yo livre, y a ba yo uniforme, y a ba yo tout un série de bagages. Donc ça c'est pas un problème. Donc n'a travail sous yo et nous fait et nous dit li sous t'a suivre très bien ça nous dit là, nous préciser. Insécurité c'est pas pour éducation nationale, c'est ça fait nous dit en commission gagné l'autre ministre qui c'est eux même qui gagné pour responsable sécurité et ça fait nous dire que chaque monde l'un ça qui garde yo. Donc sécurité a en quitté sécurité publique pour occuper de sécurité. Subvention a commencé à partir de octobre, l'école a ouvert parce que là nous dit ça, faut nous gagner toute bagaille yo là mais nous. Là nous dit l'école a commencé. Ouais nous bien dit oui, a commencé. Donc subvention yo donc soit bay qui est soit bay c'est parents c'est élèves est-ce que ou pas que élève yo pas quoi l'école et pour pas le bay livre donc subvention c'est tout un paquet de est-ce que comprendre c'est pas ba moun l'argent seulement c'est tout un paquet lié donc avant que nous rentrer dans tout l'autre domaine yo nous penser que subvention c'est une priorité que gouvernement les mettre devant pour aider les parents, les professeurs, avec les directeurs de l'école, pour que tout le monde soit capable d'aller à l'école. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché pour être capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous sommes branchés. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.